Oui, bonjour Gilles, comment ça va aujourd'hui? Voilà, absolument. Aujourd'hui il fait 28 degrés, il y a à peu près 30 km à l'heure de vent aujourd'hui et il fait magnifique. Il y a du soleil, l'eau elle est belle turquoise et ça s'annonce comme une magnifique début de cette finale de la SSL ici pour de vrai ici à Nassau et maintenant on va bientôt voir la finale qui est sur Virtual Regatta Inshore et voici les images. Exactement, ce quart de finale pour l'instant. Ensuite, on ira sur les demi et la finale. Donc, les gens sont en train de se préparer. Il reste 40 secondes, un petit peu moins. On voit la ligne de départ qui est entre le bateau et la bouée. C'est une ligne imaginaire, donc. Et il faut absolument pas traverser cette ligne avant le top départ. Donc là, il reste 25 secondes. On voit très bien les bateaux qui sont en train de s'aligner, donc ils partent, ils sont tous ce qu'on appelle tribord à mur. Oh là là, il y a déjà une pénalité 17 secondes avant le départ, alors ça c'est pas du tout bon. Les bateaux sont tribord à mur, ils reçoivent le vent depuis la droite et ça leur permet en fait d'avoir la priorité. Il ne faut pas traverser cette ligne, il reste 4 secondes. Ah voilà, très bien, on voit que le premier bateau tout à gauche de votre écran. Et le top départ, voilà, magnifique. Donc là, il n'y a personne qui a dépassé la ligne de départ avant le départ, et donc il n'y a pas de pénalité. Ah, c'est-à-dire que là, tout de suite, on peut pas, avec un bateau à voile, on peut pas remonter directement tout droit en ligne droite vers la bouée. Hein, donc, un bateau, il doit tirer les bords pour arriver jusqu'à la bouée. Donc, il est environ à 45 degrés du vent. Et puis, donc là, ils sont gentiment en train de se batailler pour piquer le vent aux autres, jouer avec les priorités. Donc, on voit certains bateaux qui ont le vent qui reviennent depuis la droite. On voit la petite manche à air là, donc on voit bien que le vent il vient depuis la droite de l'écran vers la gauche. Et le bateau Alessandro, dont on était en train de regarder là maintenant, il était tribord. Ouais, ça se passe très très vite. On voit en haut de l'écran, on a la bouée qui arrive. Donc la bouée, donc c'est l'objectif. Tout le monde essaie d'arriver là-haut. Alors, il n'a pas respecté donc la priorité de tribord, il était bâbord, il recevait le vent du côté gauche et on voit que L1 avait la priorité en étant tribord. Donc voilà, une pénalité. Donc, Gilles. Ça va être chaud là, hein, la bouée. Attention, attention. Et voilà la pénalité. Ouh, là, ça, il pleut des pénalités là. Voilà, donc ils sont arrivés à cette première bouée. Là, ils vont à ce qu'on appelle la bouée de dégagement. Donc, c'est pour éviter que les bateaux ils redescendent au vent arrière et puis qu'ils s'empilent les uns sur les autres. Donc tout à fait, hein, vent arrière ou auprès, les bateaux qui sont tribord à mur sont toujours prioritaires. Voilà, une porte, on voit là, très bien, c'est deux bouées, une à gauche, une à droite. On peut choisir, il faut passer depuis le centre des deux bouées.
Donc on peut choisir la bouée gauche ou la bouée droite. Tout dépend en fait de quel côté du plan d'eau on veut remonter. Donc là, on parle de tactique et de stratégie, de savoir d'où vient le vent, quel côté on veut aller, etc. En 3 minutes, là, c'est un petit peu difficile à expliquer, mais en gros, si le vent vient de la droite, il faut privilégier le côté droite. Attention à Racing Spirit, lui, là, qui a évité de justesse le tribord. Donc les deux étaient tribord, mais la mer Noire était sous le vent. Hein, donc quand on parle de priorité, oui, il y a bâbord tribord, mais il y a aussi au vent, sous le vent. Ouais, il faut se qualifier, en fait, c'est ça qui est important, hein. Voilà, c'est un principe qui est tout à fait nouveau, hein, dans le monde de la voile. Habituellement, c'était pas fait comme ça, et là, c'est vraiment mort subite. Voilà, merci, merci Gilles. C'est un petit peu la queue leu-leu là. Bon, on voit que les bateaux se gênent pas, donc il n'y a pas de pénalité. Ah voilà, il y a quand même une pénalité. J'ai parlé trop vite. Alors comment on fait pour on pique leur vent. Voilà, tout simplement. Hein, on a dit qu'au vent arrière, forcément le vent vient depuis l'arrière du bateau. Si on arrive à se mettre entre le vent et le bateau qui est devant nous, effectivement, on arrive à lui piquer le vent. C'est bien utile pour le dépasser, surtout vous imaginez bien qu'un bateau à voile avance avec du vent. Donc forcément, s'il n'a plus de vent, on passe devant. Par contre, il faut réussir. Quand on est sur son bateau, on voit très bien quand il y a les autres qui arrivent derrière nous. Donc on essaie de se décaler et on essaie de garder la vitesse. Alors après, il faut un petit compromis entre se décaler et aller là où on veut aller. Effectivement, la ligne d'arrivée, ce serait quand même mieux d'y aller, pas trop dévier quand il y a un bateau qui nous attaque depuis derrière. C'est chaud là entre Helios Racing Spirit et LAF Paco. Quel 1 là Voilà, on voit effectivement, il essaie de piquer le vent à l'autre. Vraiment bien se placer derrière le bateau. Donc la ligne d'arrivée, c'est bien la bande verte hein, que vous voyez. Donc c'est comme la ligne de départ. Ça va être Helios ou Racing Spirit? Voilà, donc ça fait deux bateaux qui sont disqualifiés, il en sept qualifiés. Ouais, c'est sûr, hein, plus on arrive vers la finale, moins il y aura du monde. Donc ça permet aussi de pouvoir d'avoir un petit peu moins de problèmes. Mais forcément, ça veut aussi dire qu'on navigue contre les meilleurs et de moins en moins de place pour faire des erreurs.
On voit bien la manche à air là, hein, qui effectivement on a changé de direction de vue. Donc vous voyez bien la manche à air, ça indique vraiment d'où vient le vent. Donc là c'est depuis le sommet de votre écran. Ouais, effectivement, hein, on voit qu'il y a un côté qui est plus proche du haut de votre écran. Donc forcément on a un léger avantage là, en tout cas sur cette manche. À partir sur la gauche, voilà. Voilà, exactement. Hein. On aura déjà un avantage déjà au départ, au top départ, on aura déjà peut-être quelques mètres d'avantage. Si vous regardez tout en haut de l'écran, là, on voit très bien ce qui se passe sur tout le terrain de jeu. Donc, on voit le cadre, le premier bateau, Alessandro Merlino, qui vient de virer. Donc, lui, il est déjà sur le cadre. S'il continue comme ça, il continue en ligne droite, il arrivera directement sur la bouée. En un virement de bord, essentiellement, il sera déjà arrivé en haut. Voilà, et on voit Hogan Ferrail là qui fait plusieurs virements de bord. Hein. Chaque virement de bord, on perd un petit peu. Voilà, c'est la porte sous le vent. Voilà. Voilà, les deux. Oh, ça c'était super. Hein. Donc ils étaient donc bâbord à mur. Hein. Les deux autres avaient la priorité. Et on voit les bateaux verts là, maintenant qui voilà, on avait dit, hein, ils étaient déjà sur le cadre. Voilà, c'est la mer Noire qui force L1, voilà, exactement, à repartir. Et donc voilà, donc c'est vraiment important hein, de choisir un côté. Donc on a vu là, la ligne de départ était favorable à la bouée et ah, c'est sûr, ça c'est c'est sûr que dans la vraie vie on évite vraiment hein, ce genre d'incident. Ça peut bon ben non simplement on a une pénalité donc on fait la même chose hein, sauf que un 360 dans la vraie vie c'est un 720 pour un refus de tribord sauf bien sûr si on change les règles de classe hein. Donc enfin bref, tout ça veut dire qu'on prend le moins de risques possible parce que bon, une pénalité c'est une chose, mais si on traverse le bateau de l'autre, eh ben voilà, ça fait des dégâts et on peut couler des bateaux hein, en faisant ça. Donc il faut vraiment faire attention. Et là, on voit que tout le monde est en train d'effectuer leur dernière pénalité. Les derniers bateaux, ils viennent de passer la bouée de dégagement et on a déjà la mer Noire qui est, voilà, et logiquement, hein, va reprendre le côté gauche du plan d'eau. Aïe, 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 il a touché la bouée là. Ah ça c'est dommage, il était tout seul devant là. Il faut pas faire ce genre de faute. C'est pas maintenant qu'il faut faire ce genre de faute. Il faut vraiment naviguer propre. On va voir. Voilà, ouais. Ah, il me semble que ça, il y en a deux ou trois là de ces bateaux qui ont des pénalités qui ne tournent pas. Tribord bâbord, là, on a un bel exemple.
Ah, piqûre, ouais, c'est beau. C'est joli, c'est propre, c'est fair play. On dirait qu'ils commencent tous à avoir un petit peu la même tactique, hein. On voit que plusieurs bateaux maintenant ont choisi le côté gauche du plan d'eau. Voilà, donc là on a une situation là qui va arriver. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça passe sans trop de problème? Voilà, magnifique. Voilà, hein, ils sont bâbord à mur, donc ils n'ont pas la priorité quand ils arrivent à cette bouée. Ouais, c'est sûr, à part s'il chavire, ça devrait jouer, ouais. Ça devrait jouer. Donc lui c'est vraiment en ligne droite, le plus rapidement possible à arriver sur la ligne d'arrivée. Et les autres, ben, ils essaient de se piquer le vent. Là, franchement, il y a deux bateaux qui vont se faire éliminer. Alors, c'est vraiment. Oui, pardon, trois bateaux. Oui. Là, vraiment, ce qu'ils ont besoin de faire, c'est attaquer les trois bateaux qui sont devant eux, hein. Ils sont en train de se chamailler sur les deux dernières places. C'est pas ça qui va les aider. Il faut qu'ils travaillent tous ensemble. Il faut qu'ils fassent écran. Il faut essayer un maximum de piquer le vent à ceux qui sont devant. Mais là, je pense qu'il y a une certaine distance là. Voilà, c'est pas rien, hein. Voilà, il faut naviguer propre, il faut naviguer rapide, il faut prendre un bon départ, ça c'est vraiment très important. Il faut pas faire de faute quand on arrive aux bouées. Enfin bref, il faut naviguer propre, hein. Il faut être rapide et il faut prendre des bonnes décisions. On a vu que les bateaux partaient sur le côté gauche du plan d'eau, donc il y a de la tactique, il y a de la stratégie, c'est magnifique. Et voilà, on est dans la procédure de départ. 1 minute 7 secondes là qui reste. Donc on voit très bien là l'alignement entre le bateau et la bouée. Ah, tout à fait. Alors c'est clair, la ligne, il y a plus de place maintenant, hein, sur la ligne, donc il va falloir absolument pouvoir partir avec vraiment de la vitesse. On voit qu'il y a des bateaux qui se placent stratégiquement, donc c'est-à-dire qu'ils vont se mettre au vent des autres bateaux pour leur piquer le vent et qui bloquent un petit peu le passage là au bateau. Bon, L1 là qui s'est fait bloquer, il n'arrive pas à passer. Voilà. Ah, c'est magnifique. Ouais, alors. L1, il n'a pas le choix. Il doit absolument virer. Il part de son côté. Alors, on essaie toujours de rester avec ses compétiteurs, hein, enfin, ses concurrents, pardon.
c'est clair que c'est quitte ou double, hein. Soit ça passe ou ça casse. On dirait un petit peu, en regardant la situation générale, que le côté gauche serait un petit peu favorable, hein, en regardant le cadre qui est légèrement tourné. Donc pour l'instant, si ça continue comme ça, normalement, Épicure va passer derrière. C'est sûr, en plus, il est parti du mauvais côté du plan d'eau, donc c'est difficile. Un mauvais départ, parti du mauvais côté du plan d'eau, voilà, c'est toujours difficile. Si on reste avec ses concurrents, ben, au moins, on va du même côté qu'eux, donc même si eux, ils se plantent, eh ben, on est quand même avec eux. Par contre, là, c'était un peu. C'était un petit coup de poker, là, et ben, ça n'a pas marché. Épicure, il a que fait deux virements de bord, hein, jusqu'à maintenant. Donc, il est revenu dans le coup là. Voilà. Alors là, il faut vraiment pas toucher la bouée. Hein. Là, on est dans la finale. Bon, normalement, à ce niveau-là, ça devrait jouer. Voilà, et qui part. Donc, quand le côté gauche est favorable et avantageux à la montée, ben, on part du côté droite à la descente. Et quand on parle gauche-droite, hein, c'est toujours en regardant la bouée au vent. Donc, voilà, exactement. Et là, c'est bien, c'est propre, il n'y a personne qui touche les bouées, donc pour l'instant c'est de la vraie bataille. Voilà. Voilà. Épicure qui pose son tribord. Voilà, la mer Noire, là, lui, ne vire pas. Hein? Voilà pour l'instant. Voilà. Alors, il perturbe les autres, il leur pique le vent, il les force de partir au-dessus du cadre, donc faire de la route en trop. Donc c'est vraiment, c'est très très bien fait, c'est très bien joué. Et c'est tout à fait ça. Ouais. Voilà. Alors là, tout simplement, là maintenant, il est en train de contrôler. Donc, son objectif, c'est de se mettre, toujours se placer entre ses adversaires à la bouée. Ça lui permet de. Aïe, 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 aïe. Oui, tout à... non, écoute, pas de souci, mais c'est juste pour expliquer que, voilà, quoi, quand on est devant, on se place toujours entre ses adversaires et l'objectif. Voilà, et de nouveau, hein, de nouveau, c'est la même tactique que tout à l'heure. Ce qui est juste. Ouais, il a du vent clair, il n'y a personne qui vient l'embêter derrière. Des pénalités. Voilà, exactement. Voilà. Il faut juste faire attention de ne pas aller trop loin, hein, parce que sinon, on fait de la route en trop aussi, hein, au vent arrière. Là, on voit tous les. Non, pas tous les bateaux. Ouais, voilà, tous les bateaux maintenant sont bâbord à mur. Et Elios qui a encore une pénalité là qui continue. Il sait que oulala, ça va être chaud là. Il y a Épicure qui est en train de revenir.
Ça, Tibor Amur est sous le vent. Il y a L1 là-bas qui fait la. On voit le cadre là. Je pense qu'il n'aura même pas besoin de virer. Il va éviter de virer, ça va faire. Pardon, d'empanner. Magnifique, c'est super, bravo. Incroyable, incroyable, la mer Noire. Elle, la mer Noire, c'est impressionnant. Il arrive à très très bien naviguer. Hein. C'est pas la première fois qu'il gagne. C'est magnifique. Ouais, c'est super. Oui, tout à fait. Ben, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que la ligne, elle est pas tout à fait, elle est pas tout le temps la même chose. Hein. Ça change. Et puis donc du coup, ça change la stratégie et la tactique. Et c'est ça finalement qui rend la voile intéressant. Là, les bateaux, les voiles sont toujours bien réglées. Et donc forcément, c'est voilà, c'est pas comme dans la vraie vie. Hein, si on peut de temps en temps, on se fatigue, on a un peu de peine à régler les voiles, etc. Là, toutes les voiles sont donc maintenant, c'est toutes les voiles sont bien réglées. Donc, on joue vraiment sur la tactique et la stratégie de prendre un bon départ, d'aller du bon côté de la ligne, de pas toucher les bouées, de se mettre entre ses adversaires et la bouée. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Voilà, exactement. Et ça représente bien ce qui se passe dans la vie réelle. Donc, c'est magnifique. Donc. Oui, on va aller l'interviewer là tout de suite. Voilà, on va voir comment ça s'est passé. Je pense qu'il doit être en nage. Effectivement. Alors, bonjour la mer Noire. Félicitations Salut. pour cette victoire. Thank you.
Tout à fait. Merci beaucoup, hein, effectivement. Merci beaucoup d'être venu jouer avec nous. Et puis, n'oubliez pas que actuellement, là maintenant, ici à Nassau, il y a la finale 2017 de la Star Sailors League pour de vrai. Donc, venez voir, suivez-nous, allez sur la page Facebook, allez sur le site internet de la Star Sailors League. Vous allez pouvoir voir en live à partir de mardi les régates en live, le même format d'élimination jusqu'au grand final de samedi. Et pour plus d'informations et toutes les petites photos, donc tout ça c'est sur la page Facebook, sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci, au revoir.